Hello tout le monde! On se retrouve par un nouveau vlog! On est le 22 novembre, il est 1h42 et je pars chercher deux copines, une copine avec sa fille et une autre copine pour un petit truc cool ce soir. Donc du coup je vais vous emmener avec moi dans ma folle journée. Je vais conduire toute l'après-midi, on est ravis, trop cool, mais ça va le faire. Parce qu'en plus, voilà, je sais que ce soir, ça va être chouette. Je ne sais pas si je pourrais filmer ce soir. De toute façon, vous verrez bien. J'essaierai de voir si je peux filmer un petit peu. Mais à mon avis, je pense que je vais avoir des droits d'auteur peut-être. Mais je ne sais pas. Bref, on verra bien. Au pire, je couperai le son et je mettrai autre chose. Mais j'ai vraiment trop envie de vlogger, de vous vlogger ça et d'avoir une trace moi personnellement. Non, c'est pas juste le fait de vlogger... pour vous, c'est aussi pour moi en fait garder une trace de cette journée. Donc voilà. Donc et bien là, écoutez, je viens de déposer mes enfants chez ma meilleure amie, puisque c'est elle qui les garde pour que je puisse aller chercher mes copines et que je puisse aller à ce petit événement ce soir. Puis de toute façon, ouais, je peux vous dire où, puisque de toute manière, vous allez le voir dans le titre. Donc je vais à un concert. Je ne vous dirai pas de qui, mais vous comprendrez, vous verrez bien. Donc voilà, je me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui parce que je sais que je vais pleurer ce soir. C'est bien sûr parce que si la personne qui chante commence à venir nous parler, je sais que je vais pleurer. Rien qu'à l'idée de me dire que peut-être qu'il va venir nous parler, ça m'émue. Donc du coup, je ne sais pas comment que ça va se passer ce soir. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc voilà. Bon bah du coup, moi je go, hein, parce que j'ai quand même pas mal de route à faire, mine de rien. Je vais chercher mes copines, et puis bah je vous dis bah du coup à tout à l'heure. Bon, recoucou, il est 4h30, on vient d'arriver à Saint-Quentin, donc j'attends ma dernière copine et après on go pour le concert. Oh, il fait froid, ça caille un petit peu, en plus j'ai pas eu mon blouson, donc du coup j'ai super froid. La route ça s'est bien passé mais c'est un peu galère quand même. Saint-Quentin c'est tout petit hein. Mais bon, c'est pour aller voir quelqu'un de cool, quelqu'un de très cool, donc on fait le déplacement. Voilà. Bon, et ben du coup on va attendre une petite heure, tant pis, on va se reposer un peu dans la voiture. On va se reposer un peu dans la voiture. Et puis après, du coup, on va partir pour aller au concert. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Obélix, je suis tombée dans la potion magique quand j'étais petite. C'est pour ça que je ne peux pas boire de potion. Bon, on est dans la voiture. Il est 17h30. On attend Fanny. Youhou! Pour aller au concert. On a trop hâte. Manu! Non! Je voulais pas dire qui c'était. T'es obligé de tout refaire. Allez, on recommence. C'est pas grave, ils savent pas qui c'est. Voilà. De toute façon, ils auraient deviné avec ton maillot. Vous voyez qui c'est? Vous voyez, hein. Qui c'est beau, moi. Qui est beau. Mais là-bas, elle est déchaînée, là, derrière, là. Ça promet. Elle nous a fait Obélix. Vous verrez peut-être un petit extrait sur le vlog. Et là... Il y a Chloé de la chaîne Just Chloé. Voilà. Et moi de Sandrine Rémy sur YouTube. Suivez-moi, j'ai que 2 abonnés. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Chloé en barre. Et la mienne. Et celle de Sandrine si vous voulez. Elle est désespérée, la pauvre, elle a que 2 abonnés. Donc il faut l'aider. Hein. Allez. Bon, on va attendre Fanny gentiment. On va faire une pause pipi. Après, on go. À Colombier! Manger du fromage! C'était très bar, hein. C'était pas drôle. On se là. Retrouve à Colombier! Pour aller voir Emmanuel, moi! Faut que je lui montre ça. Hein. Ouais. Faut que je lui montre. Faut trop. Bon, allez, on vous laisse. On va se détendre. En plus, faut que je recharge mon téléphone, sinon, il n'y a plus de vlog. Et puis voilà, à tout à l'heure! Bon, on est arrivé pile poil à temps. Donc, on rentre dans la salle. Et puis, là, je vous laisse profiter du concert. A tout à l'heure. En moi je ne vois plus le champion. Je n'avance plus.
vécu la guerre puis la guérison. De tous mes combats, j'ai survécu. Pourtant aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ma demeure, je suis perdu. Je m'égare, je suis un vagabond. Je n'avance plus. Forcément, je vais tomber sur des épreuves, des barrières, des enclos. Avant la mer apaisée, il y a le fleuve, la rivière, le ruisseau. S'il m'arrive de me tromper, pourvu qu'il pleuve sur les pierres, sur la peau, après l'orage dissipé, il y a la preuve de la terre au repos. Sur ma route, je vais croiser sûrement des pieuvres, des vipères, des corbeaux, tous ces gens un peu paumés, qui s'abreuvent de misère, de ragots. Viendra le tour des alliés, ceux qui peuvent se défaire du troupeau pour défendre des idées neuves, des repères, un drapeau. Je laisse guider par cette couleuvre qui déterre les joyaux, cette soif de vérité. Les hommes suggèrent à nouveau d'avancer. Exactement, 23h12. Oh, 23... oh putain, ça pique les yeux ton truc. 23h12, on vient de sortir. Enfin, non, ça fait depuis tout à l'heure. On est sorti depuis va, un moment. Tu tout seul, là. Mais non, non on est toujours là. On est toujours là. On a parlé avec son musicien. Je lui ai dit que j'étais là. Je lui ai dit, tu fais passer le message à Manu. Je suis là, la fille au tatouage, directrice de la famille Moire. Tu lui dis. Ah ouais, il m'a regardé. Ah, c'est toi? Ouais. C'est moi, je sais. Bref, je suis trop contente. On a pu se mettre devant la scène et tout. On aurait voilà, tendu ma main et je le touchais et tout. Je suis trop contente. Donc là, on est dehors, il y a les vannes. On a vu son musicien, il mange et après, ils s'en vont. Donc du coup, on attend pour le voir et pour parler un petit peu avec lui. Parce que j'ai trop envie de lui montrer mon tatouage quand même. Faut le dire. Moi, j'ai envie de lui montrer un peu. Je filme pas avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Donc, ça arrive, donc la qualité va être différente et la taille de la vidéo va être différente, mais je m'en excuse, mais j'ai plus de batterie. J'ai tellement filmé que j'ai plus de batterie. Voilà. Je vous aurais mis des passages du concert, mais en coupant le son parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous retrouverai à la maison si j'ai le courage de vlogger quand mon téléphone sera chargé. Ou demain matin pour vous faire un petit débrief de la journée parce que là c'est encore un show et je suis encore tout émouvue. J'ai trop chaud, je l'ai vu, il m'a regardé, la souris, j'ai plus de maquillage, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai trop hâte de pouvoir lui parler, de pouvoir lui montrer le tatouage. J'aurais bien voulu enregistrer ce qu'il va nous dire, mais j'ai plus de batterie. Donc, j'enregistrerai peut-être. Au pire, tu enregistres, tu fais une petite vidéo ou un truc. Bref, je suis contente.
une merveilleuse journée. Youh, je suis trop contente. Bref, bon, du coup, je passe mon téléphone à ma consoeur youtubeuse qui elle aussi doit faire son vlog. Et puis bah, je vous retrouve ce soir ou demain. De toute façon, demain je ramène ma copine, donc demain je vais vlogger. Donc, soit ce soir si j'ai le courage, soit demain. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Re-coucou. Fanny, il est 1h40, on vient de rentrer à la maison, ça y est. On a des petits posters. Bon, je vous montre le. Je vous montre le petit, mais je vous montre pas le gros parce qu'il est beaucoup trop gros. Mais en fait, il y avait ça à la fin du concert. Donc en fait, on pouvait se servir. Et j'en ai même eu un gros, donc je vais pouvoir le mettre dans ma chambre avec les autres. On n'a pas pu. Donc on a attendu quand je vous ai quitté, on attendait Manu. On n'a pas pu trop lui parler. Mais. Il t'a parlé quand même. Si, il m'a parlé quand même. Je lui ai dit que j'avais fait mon tatouage. Il m'a demandé, t'es contente? Oui. Mais après, elle est vite partie. Parce qu'il devait aller à Reims. Ouais. Comme demain, il a un concert et tout. Et du coup, t'es un peu fatiguée. Et j'ai fait ma photo avec Eric. Oui. Enfin, depuis 6 ans 7 ans oh, je sais plus. Bref, voilà. Bon, bah maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Parce que demain, il faut que je la ramène à Saint-Quentin. Et la route... elle est longue, la route. Elle est longue. Un petit peu, ouais. Donc, on va aller se coucher parce qu'il est tard. Et j'en peux plus. Bon, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Même si ceux qui n'aiment pas Manu, bah vous serez bouffé du menu du vlog. Mais c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Enfin bref, vous connaissez le blabla. Bon, allez, à demain. Salut. Ciao.